Ok les amis, donc juste avant cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire passer. Donc toutes les 2 semaines, chaque mercredi à 19h, il y a un tirage au sort. Il y a 50 000 crédits à gagner pour participer. C'est aussi simple que ça. T'as juste à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et commenter. Je participe. Et donc voilà, tu participes et tu comptes comme participant. Allez sur ce, bonne vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est MoussouMov13. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 19. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel investissement, donc un investissement très rapide. Donc l'investissement, donc le moment où je vais poster la vidéo, ça sera environ jeudi à 18h. Et l'investissement, vous allez savoir si ça va marcher dans exactement 1 heure. Donc jeudi à 19h, donc dans 1 heure, ouais, c'est bien ça. Donc alors c'est pour le SBC grosse affiche. Donc on va dans défi création d'équipe, je vous explique en 2 spies ce que c'est comme chaque semaine. Donc vous voyez, SBC grosse affiche. Vous avez 4 matchs, c'est les 4 gros matchs du week-end. Donc pas de ce week-end, du week-end qui vient de passer bien évidemment. Et nous on va essayer de prédire quelques matchs qui peuvent sortir. Et ça payera si par exemple, donc je vais vous dire quelques matchs. Par exemple Real Madrid-Barcelone, ça a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il fallait 2 joueurs minimum du Real de Madrid ou du FC Barcelone. Pareil pour Tottenham ou Arsenal, ça a augmenté. Parce qu'il fallait 2 joueurs de Tottenham ou d'Arsenal. Donc alors simplement que ça, j'ai seulement 2 matchs. Après un petit match bonus, mais voilà, je suis pas trop confiant sur ce match, on verra bien. Donc le premier match c'est OM Nice, donc c'est un derby, hein, c'est le derby du sud. J'ai passé la Ligue 1. Donc alors OM Nice, vous allez sur OM, ce que vous faites, vous prenez les cartes or non rare à 500 crédits maximum et les cartes or rare à 800 crédits maximum. Donc voilà, là vous avez Rolando avec sa petite tête. Vous avez également Pelé, donc Pelé c'est pas ouf parce que c'est un gardien. Vous avez Lopez, c'est très intéressant. Et vous avez Hiroki Sakai, très intéressant. Et surtout Hamavi, si vous pouvez en choper. Hamavi c'est le meilleur parce que c'est un ailier gauche. Et bon voilà, c'est un défenseur gauche. Et du coup c'est ce qui augmente le plus. Donc ensuite on a Nice. Donc Nice exactement pareil. OGC Nice, c'est là. Vous mettez pareil à niveau or, 500 crédits maximum. Voilà, vous prenez Danilo, pardon, j'ai cliqué sur rond. Donc vous prenez Atal, vous prenez Danilo, Benitez prenez pas parce que c'est un gardien, donc du coup c'est pas ouf ouf. Et du coup voilà, bon vous avez Danilo, vous avez Atal, le meilleur c'est Danilo parce que c'est un Brésilien, et après Atal c'est un défenseur droit, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de poser maximum 100 joueurs sur chaque match, pardon, pour être sûr normalement de faire du bénéfice, et au pire ça marche pas, vous allez faire je sais pas 15 000 de pertes, donc c'est strictement rien. Et ensuite le deuxième match, donc c'est un match pas forcément confiant parce que Arsenal ça vient déjà de sortir, donc c'est chaud. Donc vous prenez Arsenal, mais bien évidemment ça coûte cher, c'est logique. Donc Arsenal on oublie, vous pouvez prendre des Denis Suarez en Tech 59. Et ils affrontent Manchester United, ou United, je sais pas. Et voilà, donc pareil, Tech 59. Ça peut tomber, mais voilà, franchement je suis pas trop confiant sur ce match parce que Arsenal c'est dans le SBC gros match déjà. Du coup, est-ce qu'ils vont le sortir 2 fois d'affilée? Je sais pas. Et ensuite, c'est en Serie A. Donc, c'est le match bonus. Pareil, je vous conseille de poser sur celui-là. C'est la Fiorentina. Donc, voilà. Vous pouvez poser tranquille vu que c'est à 400 crédits. Vous prenez Xhaka, Simeone, on s'en fout. Vous prenez n'importe quoi. C'est la Fiorentina contre la Lazio Rome, si je vous dis pas de bêtises. Normalement, c'est bien ça. Et voilà, là c'est pareil, le mieux c'est de prendre Basta, parce que c'est un défenseur droit. Et du coup c'est tranquille, surtout que vous les prenez à 400 crédits, du coup voilà, pas trop de risques. Si ça marche pas, vous les achetez 400 crédits, vous les listez à 500, vous allez voir ça partir. Regardez, 400 crédits, il n'y en a pas beaucoup. 500, il doit en avoir pas mal, voilà, mais ça part dans tous les cas. Donc c'est plutôt tranquille, donc moi ce que je vous conseille de faire, 100 joueurs de OM Paris, 50 joueurs de Arsenal Manchester United. Et 75 joueurs de la Fiorentina contre la Lazio Rome. Cette semaine, c'est assez compliqué parce que voilà, il n'y a pas des matchs qui sortent beaucoup du lot. OM Nice, je pense, c'est celui qui a le plus de chances de sortir. Et du coup, voilà, c'est tranquille. Prenez les 3 de chaque. Il y en a forcément un d'entre eux qui va sortir et qui va augmenter. Normalement, ça fait du minimum 1 000 crédits de bénéfice par carte. Ça peut aller jusqu'à 2 000 crédits, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, il faut voir en fonction des critères. Donc rendez-vous à 19h pour voir si ça a marché. Et si ça a marché, vous revendez environ 1 heure après, vers 20h, vous revendez. Après, c'est difficile de savoir quand vendre exactement, mais voilà. Moi, souvent vers 20h, je revends, je prends pas trop de risques. Au pire, vous attendez le lendemain vers l'après-midi et vous revendez. Donc voilà, les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. C'était un petit investissement complémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire tout ce que vous voulez. Allez, sur ce, les amis. Ciao tout le monde.